Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une deuxième leçon de crochet. Nous allons donc aborder la maille coulée. Donc c'est une maille très simple qui ne se voit presque pas par rapport aux autres points employés dans les ouvrages de crochet. Donc on l'utilise pour réunir un rond ou par exemple pour assembler deux pièces de crochet séparées comme deux carrés. Donc vous piquez dans la maille, un jeté. Vous passez au travers et vous repassez dans la première maille. Vous piquez dans la maille, un jeté, je passe au travers et je repasse dans la première maille. Vous piquez dans la maille, un jeté, je passe au travers et je repasse dans la première maille. Je pique, un jeté, je tire et je repasse dans la première maille. Je pique, un jeté, je tire, je repasse dans la première maille. Je pique, un jeté, je tire. Je repasse dans la première maille. Je pique, un jeté, je tire. Je repasse dans la première maille. Et vous continuez toujours le même processus en répétant les mêmes mouvements. Je pique, un jeté, je tire. Et je repasse dans la première maille. Voilà, donc nous nous retrouvons avec notre rang de mailles coulées. Donc je vous souhaite bon crochet à toutes et à bientôt pour une prochaine leçon.